Salut, bonjour à tous. Bon, bienvenue sur ce nouvel épisode numéro 7, si je me trompe pas. Bon, là, j'ai pris du retard. Là, il va falloir attaquer sévère. On en était resté à l'épisode 6 où j'avais fini de poncer le toit et je voulais installer donc les lanterneaux et faire la peinture du toit. Mais vu que ce début de semaine, on a des températures qui sont plus clémentes, hein, on crève plus de chaud, ça y est, 15 degrés de moins, facile, je me suis dit, en fait, il serait peut-être temps de casser les autres vitres, du côté droit. Puisque bah, il vaut mieux des températures un peu plus clémentes pour ça, parce qu'en fait, bah, je ne peux pas le faire en short, en t-shirt. Quand je l'ai fait pour le côté gauche, les petits bouts de verre partout, là, enfin la poussière de verre partout sur les bras, sur les jambes, ça m'a piqué, brûlé pendant 3-4 jours, quoi. Là, je vais attaquer donc l'explosion des vitres du côté droit, le nettoyage de tous les montants. Donc voilà, je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible. Et par la suite, ben, traitement anti-rouille, peinture, et après découpe des panneaux. Voilà, allez, je parle pas plus, on attaque parce que là, ça laboure, il faut vraiment que je me manie, quoi. À tout de suite. Ah si, oula, j'allais oublier. Vous avez peut-être vu la qualité de la vidéo et du son sont différents. J'ai investi dans une caméra, voilà, il y a quelques jours, j'ai reçu une nouvelle caméra, donc une Osmo Pocket, parce que jusqu'à maintenant je filmais avec mon téléphone. Et là, bon, j'ai investi cette petite caméra. Je pense que l'image et le son seront bien meilleurs. Voilà, je vais vous montrer de suite. Hop, à quoi ça ressemble. Tac. Et voilà, l'Osmo Pocket, petite caméra branché sur un smartphone, sur le trépied, et je me suis mis des batteries supplémentaires qui rechargent en permanence, ben, le smartphone et la caméra, quoi. Voilà. Parce que sinon, le problème, c'est que sur l'Osmo Pocket, vous avez une autonomie de 2 heures. Et en fait, moi, comme je filme en continu, et il faut savoir que quand vous voyez les vidéos en accéléré où ça dure 1 minute, moi derrière j'ai passé 8 heures dessus, quoi. Voilà. Donc allez, c'est parti, j'y vais. À de suite. Nouvelle journée qui démarre. Bon, hier ça a été intense. J'ai
J'ai réussi en moitié moins de temps que le côté gauche à casser toutes les vitres du côté droit et à virer la colle démontant. Voilà. Donc là, il va me rester ce matin, il va me rester le nettoyage de tous les montants à la brosse métallique pour bien ramener la tôle à nu au maximum, vérifier qu'il n'y ait pas trop de rouille. Et puis voilà, et après, bah après je passerai un coup de peinture dessus. Enfin, un coup de traitement anti-rouille d'abord. Donc ça y est, j'allais dire, je vais passer Rustol. La dernière fois, le mot l'anti-rouille que je cherchais, c'est Rustol. Rustol, Julien. Rustol. Voilà, donc je vais tout traiter au Rustol. Et après, je vais, une fois que le Rustol sera sec, je vais prendre de la peinture anti-rouille. Donc je l'ai déjà. Hein, et je vais mélanger donc 75% de peinture anti-rouille, plus je vais rajouter dans la peinture 25% de Rustol. Voilà, pour être sûr que ça, voilà, que la rouille revienne pas quoi. Parce que je veux profiter que tout soit démonté, que tout soit nu pour bien traiter. Bon allez, j'arrête de parler, ben j'attaque direct, tac, c'est parti. Bon, j'ai envie de tenter. Oh, putain, je suis où là? J'ai envie de tenter un petit truc. Le Rustol. Ouais, mais au lieu de l'appliquer au pinceau, au pinceau, j'ai envie d'essayer de l'appliquer avec une station de peinture, station basse pression, vous savez, de peinture. C'est une vieille, j'en ai deux, j'en ai une neuve et j'en ai une vieille. J'ai envie d'essayer avec la vieille, voir si ça s'applique bien. On va essayer. Hein? Allez, c'est parti. Ah merde, j'ai pas soufflé l'extérieur. Oh putain, quel con. Oh. Crois bien que ça va le faire. Rustol va et pistoletto. Putain, par contre, je vais filmer de loin parce que je voudrais pas foutre du Rustol sur la caméra. Thank you.
Allez, peinture, ça y est, je viens de. Oh, je vous ai même pas dit, j'ai oublié de filmer. J'ai complètement zappé de mettre la caméra en route, mais j'ai déjà tout traité au rustol. Et là, je m'apprête, donc j'ai posé le rustol avec le pistolet à peinture et à basse pression, et ça va super bien. Donc j'ai laissé à une demi-heure, c'est un peu plus, même 3 quarts d'heure que j'ai passé le rustol. Enfin, il est sec en tout cas. Enfin non, remarque, ça fait au moins 2 heures, je suis con. Bref, donc c'est sec, donc là j'attaque la peinture, je viens de faire un test avec le pistolet, là, basse pression, et ça le fait nickel quoi. Donc j'ai mélangé 75% de peinture blanche anti-rouille, plus 25% de rustol en plus. Voilà, allez, c'est parti, j'attaque là, je vais finir avant la nuit.